Oh, all of the bitches anxiety, cars robotic, we go retarded. Hop in the foreign, don't need the top. When I get home, I need the top. Louis Vuitton when I leave the house. She got an ass and I grease her mouth. She wanna twerk when I leave her house. Gucci the belt and don't leave it out. Yeah, I got standards. Diamond near Flanders. Ooh, ooh, Kool-Aid jammer. Cookie pack on camera, yeah. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors, je vous fais le débrief ici parce que tout simplement là-bas il y avait énormément de bruit. Donc là, je vous explique ce qui va se passer. On venait en pensant faire de la gym et finalement pas du tout, on a fait complètement autre chose. Vous allez voir. Franchement, nous au final, au début, on était voilà, on savait pas vraiment ce que ça allait être, mais au final, on a adoré. Bref, vous allez voir. Je vous laisse avec le débrief avec la personne même. Vous allez tout comprendre. Hello, what's up les guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto beauté. Je veux quoi, tu vas te démerder un peu. Oh, oh. Ah ouais, donc c'est moi je fais tout le boulot, d'accord. Ok, donc c'est parti. Donc là je vous explique, on est avec qui. Bah tu sais quoi, je te laisse te présenter directement. Alors moi c'est Rémi, ok, Rémi, pour Thumbling Rémi. Donc là on est au cheer. On fait du cheer, on fait des stunts. Le cheer ça consiste à quoi? Ça consiste à faire des cascades, traduction française. Des cascades, il y a plusieurs types de cascades. Il y a les cascades en partner, c'est-à-dire en duo, avec une base qui sera la fille, et une base qui sera le garçon, et une fly qui sera la fille. Et d'autres types de cascades qui seront en groupe stunt. Donc là ce soir, à mon avis, on va faire plus du partner. Ça va être individuel. Et en gros, bah, ce soir, je pense qu'on va aller sur du. Au début, on va aller sur du toss hands. Toss hands, c'est. Donc c'est prépa toss, en fait c'est le fait de lancer la fly, okay. Et le hands c'est le fait de l'attraper à cet endroit là. Et je pense qu'après si vous débrouillez bien, on pourra partir sur des extends. Ok, extend, bon, écoute, on verra. Voilà, en fait extend c'est juste le niveau évolué de hands, okay. Donc tu auras les bras tendus comme ça, regarde, okay. La fly sera... Okay. Bah en fait en gros ton défi c'est que quand on sort de cette salle là, faut voilà. Qu'à la fin on soit pro en gros. Non, non mais faut que genre... À la fin on connaisse la gym, voilà. On connaisse les bases. Au moins intermédiaire. On dit la gym mais on connaît même pas vraiment, il y a plein de termes que je viens de voilà, parler, voilà c'est ça. Ce soir. Parce que nous on est un peu trop muscu donc on a un peu de difficulté. Ouais. Tout de suite je vous montre un extrait de ce qu'il sait faire un peu. Et puis après c'est parti pour... il va nous l'apprendre et on verra comment ça se passe. C'est parti. Yeah, I got standards, diamond near Flanders, ooh, yeah, Kool-Aid jammer, cookie pack on camera, yeah, she wanna twerk on my chain, getting that brain, swerving your lane, I feel the knock off a bonnet, I had to get it, I want it, honest, yeah, private jet, Nike Tech, she up next, when you a boss, don't take a loss, count up a check, soul plate, never late, go on dates, when you get up, they hate, diamonds they drip like a lake, I leave a team. Ok, afin que la vidéo ne soit jamais ennuyeuse, je vais vous parler toujours avant de ce qu'on va faire. Donc là par exemple, il va nous apprendre, donc Rémi en personne, va nous apprendre à lever la personne, enfin la fille, la fly s'appelait, je crois que c'est un truc comme ça, à la lever et simplement la jamais la lâcher et la refaire en bas. Et après ensuite on va compliquer la chose en la lâchant et la rattrapant. Bref, je vous laisse avec ça. Donc en premier c'est Vlad, ensuite c'est moi et après vous allez voir on va compliquer la chose. Je vous laisse avec les images. A few moments later. Comme vous aurez compris, Vlad avait une difficulté, heureusement moi je l'ai pas eu après. Bref, c'était en fait de compter en anglais avec un... Donc c'était super compliqué, on était stressé à la fois de faire ça, c'était la première fois. Et en plus de devoir faire des comptages et tout, bref, au final on a annulé les comptages, on a fait autrement. Voilà, je vous laisse avec ça. Après c'était à mon tour, j'ai un peu regardé, je stressais un peu, on a dû me réexpliquer. Au final ça allait, j'étais un peu stressé, mais au final c'est bien passé. Rémi tout en train de montrer que sous les chaussures des filles, il y avait des accroches, enfin des accroches, une petite fente pour pouvoir mettre le doigt, pour rattraper les pieds, parce que vous allez voir, ensuite on va compliquer la chose. Il va nous montrer comment, en fait, on va devoir lever les filles et après, une fois en l'air, vraiment les jeter en l'air et les récupérer sous les pieds. Et voilà, je vous laisse imaginer la chose, je vous laisse avec les images, vous allez bien rigoler. Ok, donc là c'était à mon tour, je vous laisse avec les images. Je vous explique juste avant, j'ai eu un petit blocage parce que simplement j'étais en train de réfléchir à ok, faut pas qu'elle se fasse mal, ok, faut que je la laisse en l'air, faut que je la rattrape. Donc voilà, il y avait trop de trucs à réfléchir. Bref, voilà, en fait le plus peur avec Vlad qu'on avait, c'était de pas les rattraper, de leur qu'ils se fassent mal. Voilà, moi je préférais me faire mal moi que elle. Donc voilà, donc bref, je vous laisse avec les images. Voilà. Et je pense faire les compètes l'année prochaine. Donc l'entraînement est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Alors moi et Vlad on n'a pas été super performants, mais ça a été franchement. C'est vrai que la musculation nous a un peu aidé à ce niveau là, parce que tout simplement il y a des exercices qui font penser à ces choses là. Par exemple l'épaule jetée, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Pas vraiment, mais voilà. Pour nous ça n'a pas été physiquement le plus dur, c'était surtout mentalement, parce qu'on avait vraiment peur de les faire tomber, de leur faire mal, tout simplement, voilà. Donc voilà, ce sport là c'est la première fois que j'en faisais, je le connaissais même pas avant. Donc franchement c'est un bon sport, bon je me vois pas en faire en club, mais pourquoi pas en loisir. Si on obtient 100 likes en 24 heures sur cette vidéo, je vous promets une partie 2. Voilà la team, je vous laisse avec la fin. Et surtout, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. I got standards, Dominaire Flanders, ooh, yeah, Kool-Aid Jammer, Cookie Pack on camera, yeah, yeah, I got standards, Dominaire Flanders, ooh, yeah, Kool-Aid Jammer, Cookie Pack on camera, ooh, yeah, I got standards, suck on my nuts like planners, ooh, yeah, my bitch a dancer, hop on the dick like a prancer, ooh.